De toute façon, tu vas le chatouiller. Moi, je crois pas, moi. Pas mal. Oh putain. Alors attends, là, attention. On va faire mal. Alors, oh, mais c'est alors là, bravo. Un critique en magie. Alors là. Ok. Extraordinaire. Bidé. Allez, bam. Ouais, ça va être ça, ouais. Allez, tu doubles les dés. Vas-y, tu balances. Vas-y. Bah, normalement, si tu fais les dommages, normalement, le système doit prendre en compte qu'il. Oui, je pense. Il a détecté le. Mange. Putain, j'ai pas vu savoir descendre. Ah, il a quand même pris 27 points de dommage. Ah oui, mais ça a pas beaucoup bougé. Ah bah, c'est un géant. Putain. Mais comment ça, il n'y a pas que les sandalettes? Non, mais c'est quoi cette histoire? Oh la vache. Et j'ai pas un truc pour booster ces dommages, putain. Allez, Kadwick, soulève ta robe, on s'en va. Du napalm. Non, mais j'ai pas un truc, un hero point pour faire plus de dommages, je sais pas, moi, putain. Non? On fait que la moitié. Non. Merde. Oh. Jeu de merde. Ah bah, bon, okay. Ah non, bah, t'as quand même, tu lui as quand même collé 39 points de dommages depuis tout à l'heure. Hein. C'est quand même pas rien. Hein. Ouais, enfin, je vois pas sa barre. Hein. C'est vrai que la barre, elle est toujours là, verte. On a l'avantage non, elle est vert clair, là. Par rapport à l'autre. Ah oui, tout le monde a l'avantage de shooter. Denil. La prochaine attaque, pardon. C'est pas qu'il me fasse peur, mais je vais peut-être lui tirer dessus à l'arc. tout de suite, c'est quelle violence. Je sais pas pourquoi, je vais sortir mon arbalète aussi. Ok. Bon. Il court plus vite que toi, de toute façon. Donc. Oui, de toute façon. À l'arc, longbow, players, Slayer Prey. Vas-y. Un beau jour pour mourir. J'ai fait. Hit. Ah, très bien. Slayer Prey. T'as l'avantage pour le toucher si c'est lui qui vise. Hein. Oh, pardon. Oui, tout ça. Ah, j'avais l'avantage. Oui. Refais un jet. Ouais, refais un jet pour toucher au cas où. Okay, au cas où il y aurait un vent naturel. Bon, attends, je lance un des 20. Ouais, bah, okay. Ça... ça marche. Donc tu l'as fait, 14 points de dommage. Ok, ça marche. C'est quand même pas mal. Daratra. Qu'est-ce qu'elle fait, Daratra? Parce que... Non, mais si on en bute un, tu vas voir, tous les autres, ils vont faire la gueule. Hein. Ils vont prendre un coup au moral. Hein. Là, ça serait bien qu'elle descende quand même. Ou l'autre, il va devenir berserk, qui va tout coter, mais bon. Ou il y a aussi cette option, ouais. C'est elle. C'est elle. Si on va tous au contact, on a peut-être une chance, mais... Là, de toute façon, elle peut pas aller au contact, là. Hein. Si elle saute, quoi. Elle descend, elle y va comme non, mais elle saute pas, putain, c'est une tour. Ouais, enfin, 3 mètres. C'est un jet d'acrobatie, c'est donjon. Ouais, ouais, non, c'est bon. Ouais. C'est... En descendant normalement au courant, quoi, je veux dire, okay, elle peut arriver où? Elle arrive en bas de la porte, là. En bas de la porte, ici, là. Voilà, elle est là. C'est déjà plus efficace. Je tire et elle descend. Non. Ok. Oui, tu tires. Ouais. Bah si. Non, si tu descends, t'arrives. Si tu descends ou tu cours, t'arrives au niveau de Denil. Au niveau de Denil. Ok. Ok. Courant. D'accord. Et je tire. Mais non. Non, tu tires pas. C'est... Bah, t'as fait un dash. Je veux tirer. T'as doublé ton mouvement en fait. C'est ça que t'as fait. Alors attends. Moi, je veux tirer et je descends en bas de la porte. Eh bah, d'accord. Donc, non, mais autrement, ça sert à rien, là. C'est juste un déplacement. Okay, tire-lui dessus, là, Michel. Michel. Alors. Oh, la Michel. Oh, oh alors, putain, mais alors, c'est le boss ici. Putain, c'est pas possible. Il y en a qui font du bol quand même avec les dés. Hein. Oh, ouais, ça suffit, c'est du talent, ça, il va te dire. Ouais, bien sûr, ouais. Je le connais comme si je l'avais fait. Voilà! 9 c'est points nul. De dommage. Eh, regarde, il est dans le jaune. Je crois qu'il va arrêter de creuser. Ça sent le script DD quand même un peu ouais. Un peu pipé quand même là. Hein. Ouais, non, alors attendez. Non seulement c'est du talent, mais c'est parce qu'en fait je fais des jets de merde tout le temps. C'est vrai. Il y a des moments où il faut que je fasse des 20. C'est vrai. Au bout de la 10e session, il a une session gratuite. Voilà. Ok, Tazul. Ah, tu flippes. Hein. Ah, tu veux pas y aller, du haut de tes 49 points de vie. Tiens, regarde si j'y vais pas. Tiens, Vali, tape-lui sur la gueule. En plus, il est enfoncé dans un trou. Bah, attends, il a une hache de porc cachon, il fait des dommages de porc. Allez, quand il touche. Tu veux lui mettre un coup de quand je touche. Oh putain, je suis loin. C'est pas possible. Pareil, tous les autres font des vins, lui. Allez, j'utilise une action Serge pour faire une action supplémentaire. Parce que sinon. Allez, c'est pas possible, j'ai pas. Pour renverser la vapeur. Hein. Ah. Allez, tiens. Génial. Oh, joli. Voilà.
16 points de dommage. Ok. Galerine. Galerine, il se dit, de toute façon, dans le doute. Non, non, mais il faut qu'il aille se faire soigner, lui, non? Non, non, il fonce. Il y va, il a un point de vie, il y va. Hein. Il est pas mort. Hein. Allez. En oui, plus, enfin, c'est donjon en même temps. Mais c'est un quoi? C'est un nain, il est bon. Il a marqué dans ses défauts, je ne m'en vais jamais d'un combat. Même, surtout si ça implique des géants. Bah voilà, c'est pour ça. Oh putain, mais d'accord, donc il y va. Il vaut mieux toucher et faire des 1 au dommage que faire des 1 au toucher et 0 au dommage. Non, mais je préfère faire des 8 au dommage. Là, ça, c'était beau. Là, je dois dire que là. Eh c'est sorti tout seul en plus. On peut faire mille fois une chose à non on peut faire la même chose à 1000 personnes mais on peut pas faire 1000 fois la même chose à une personne. C'est dur à dire en fait. Bon c'est t'as une deuxième attaque hein. Bah c'est elle est passée hein. J'en ai fait une déjà. Eh ben fais la deuxième. Mais non mais j'ai fait les deux. Comment ça t'as fait les deux? Mais regarde j'ai fait les deux j'ai loupé la première. Dommage. Bah t'as fait les deux. La première elle a fait miss. J'ai fait miss la première. T'es mauvais. Bah oui je suis mauvais. Le mec a MNJ. Nart il court vers la tour. Tu le vois arriver. Fraîcheur Narta. Vas-y. Il va tirer à il tire. Oh il va venir là. Il va défendre le périmètre. Allez. Et où il pointe? Hawk sort, il sort sa pelle, il commence à creuser. C'est un concours de creusage. C'est peut-être ça qu'ils font. C'est peut-être ça qu'ils font. C'est leur maman qui leur dit viens, tu prends ton seau et ta pelle et puis. Urgala, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réussir. Eh ben, elle essaie de finir son Magmin quoi. Elle termine ton Magmin. Termine ton Magmin, c'est ça. Tous attaques avec son Morningstar. Si on pouvait les capturer vivants, ces géants, on les ferait parler. C'est des. Il y a un homme. Enfin, il y a un géant et une géante en fait. Ah ah. Elle est bien roulée la géante. Bah. T'as des trop petites. Bah, on peut pas raconter que l'autre géant il l'a trompé avec l'autre géante et que. T'as raté. Ah, c'est bon, tu l'as tué. J'ai fait la deuxième attaque qui est passée. T'en auras mis du temps. Hein. Dis donc, c'est une PNJ pourrie, hein. C'est pas moi. Bon, Hillman, il se dit que peut-être falloir commencer à réagir là. Avec des avantages, en fait, il creuse et il donne un coup de pelle. Tu vois le genre? Il t'envoie de la terre. Il m'envoie de la terre dans les yeux. C'est ça. Par contre, c'est pour ta gueule. Hein. C'est Bernie. Ouh, t'as vu. Il touche quand même. Aïe, ah oui, aïe, c'était 18 aïe, ou 8, et aïe, il a touché avec le 8. Aïe, mmh, aïe, 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 oh. Ah ouais. Il a pas gagné une bolt, mais il s'amuse. Hein. Aïe, touchdown. Ok, donc t'as quand même reculé, sous, terre, hein. T'as reculé sous l'impact. Dis-moi, Kadwick, comment tu penses nous soigner à la distance à laquelle tu te trouves là? Il faut qu'il y aille, hein, de toute façon. Hein? Vous êtes fous, c'est dangereux. Il, bordel. Mais ah oui, c'est ça. C'est comme un raid dans World of Warcraft. Bah oui, c'est ça. Ouais. Il fait quoi, le healer? Ah, il est ouais, AFK. Mais vous m'avez jamais vu crier à vous, parce que le premier qui dit il, moi je tape. En général, il n'y a pas droit. Bon. Si, moi j'ai une solution pour ça, mais ça viendra plus tard. Gambit, il dit rien, il ose rien faire. Pardon, c'est à moi. Non, excusez-moi, oui, j'étais en train de regarder s'il y avait des sorts à distance, excusez-moi. pour soigner. Je saute par-dessus les deux nains et je vais claquer le beignet à cette espèce de grosse merde. Ouh, quel courage. T'as un ouvre-boîte? Ouais, c'est. Alors, il a une espèce d'armure de plaque un peu comme les orogues, là. Ouais, ouais, d'accord. Merde. Oui, la deuxième passera, c'est pas grave. Non plus. Tu peux cramer un hero point hein, à deux points, ça se défend. Oui, ça peut se faire ça. Je coche un truc, c'est ça, et j'envoie un dé de 6. Mm-hmm. Et bah voilà, tu vois. Donc là, tu fais tes dommages. Il y en a une qui passe. Hein, pas touche mes copains. Ah putain, c'est pourri. C'est pas mal quand même. Ouais. Ah, c'est quand même pas mal. Il a pas pu être mieux. Il a quand même pris. Enfin, je vous fais quand même le truc. Il a quand même pris 96 points de dommage hein, quand même. C'est quand même pas innocent quoi. Ouais mais et on l'a loupé la moitié du temps. Et en plus parce que vous êtes pas bon. Non même pas, on l'a touché presque à chaque fois. Hein. Il y a qu'une seule fois je crois qu'on l'a loupé. On l'a touché qu'une fois sur deux. Toi tu l'as touché presque à chaque fois. Toi Eric. Ah moi je l'ai target deux fois, je l'ai touché deux fois. Donc toi, ça va. Toi, mais... toi, t'es l'autre il est avec ses plus 10 là, c'est bon.
Donne-moi des plus 10, tu vois, ça va passer tout de suite. Meg 1007, il vient par là, il fout le bordel. Meg 1008, il va rejoindre son copain, le géant. Et Meg 1009, il vient par là aussi. Orok 3. Ah, ça va être pour ma gueule, ça. Ils viennent par là. Ils ont l'air de vouloir encadrer le... Pardon, encadrer. Ah bah tiens, oui, Orok 4, il va venir là. Il tape deux fois, hein, Orok 4. Hein. Ah oui, quand même. Ah bah oui, oui. Oui, oui. Et sa première attaque. Ouf! Tu sens que ta cape. Oui, c'est ça. Il touche l'image en fait. Il désintègre l'image. Faut pas prendre les pieds dedans. Hein. Ah! Oui. Ah. Aïe, 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 ça va faire mal. Adios. T'as pris 11. Putain, la moitié de mes points de vie, quoi. Orok 5. Descends le chemin. Kadwick. Attends, j'entends regarder des trucs à la con, mais. Je suis en train de regarder comment c'est le chemin vers le sud. Non, mais ça, je le connais de par cœur. C'est là. Qu'est-ce qu'il dit sur TripAdvisor sur la route du sud? C'est quoi? C'est la vue panoramique, non? Qui fait bon la prendre. C'est ça. Que fais-tu? Que fais-tu? Ces bêtes-là, elles ont beaucoup en constite, hein. Oui, il faut admettre qu'un géant, en général, niveau constitution... Ouais, il faut admettre... Par contre, effectivement, tu as... n'oublie pas, tu as un sort qui s'appelle Prayer of Healing, mais c'est un truc qui dure 10 minutes à lancer. Oui, mais oui, ça, il est déjà ouvert. Minutes, ouais. Oui, mais c'est pour soigner tout le monde, ça va être... C'est l'orgie romaine. Ouais, c'est le rituel, mais c'est... Voilà, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Non, mais je voulais le blindness, mais... Qui porte à 68. Ah, blindness. Ouais, mais c'est un jet de constite, ça va. Quoi. Ouais, d'accord. C'est, ouais. C'est vrai que sur un géant, ça peut être compliqué. Ouais, ça peut être compliqué. Bon, Guiding Bolt. Force, hein, sinon, hein, c'est pas mal. Guiding Bolt. Bah oui. Un troisième. Allez. Bah, il peut en faire autant qu'il veut. Comment ça, il en fait autant qu'il veut? Un sort niveau 1. Bah, c'est un sort niveau 1, il en a 4 des sorts niveau 1. Il en fait pas autant qu'il veut. Il en fait 4, quoi. Et il le touche en plus. Bah, un peu que je le touche. Alors attendez. Après, oublie pas, t'as aussi un autre truc. Bon là, ça, en général, ça sert moins, mais t'as ton bâton de entangle là pour engueuler les gens. Ouais. Quoi? Ça se résiste avec force. Ah ouais, non mais ça. Ouais, oui, mais peut-être pour les autres, les orogs. Ouais, les mais là, pour l'instant. Ouais, les magmines. Plutôt parce que. J'ai aucun moyen d'augmenter mes dommages. Ah non, aucun. Si, t'as faire une prière à la Vierge Marie éventuellement. Bah, je fais une prière à la Vierge Marie. D'accord, alors. Bah ça t'allais pas là. Mais, allez, fais tes dommages. Ouais, Hero Point, ça sert pas à ça. Non, Hero Point, ça sert pas. Mais pourquoi pas? Parce que ça sert à faire tout, à sauver tous les jets de merde que vous avez déjà fait. Ce qui est déjà énorme. Ouais, il prend 12 points de dommages, c'est quand même pas dégueulasse. Okay. L'avantage après. Et en plus, t'as l'avantage. Et vous avez compté tout ce que vous aviez l'avantage pour qu'il puisse toucher. Attends, ça marche pas comme ça, je crois, Guiding Bolt. Je crois que tu donnes l'avantage, effectivement. C'est la prochaine attaque. Jusqu'au prochain. When willing to. Non, c'est pas ça, je suis pas sur le bon truc. Guiding Bolt. Commission Bolt, c'est pareil. Le prochain jet d'attaque sur cette cible a l'avantage. Oui. Le prochain. Ah, c'est le prochain? C'est complètement con. Ah, parce qu'il brille et puis ça doit absorber. J'en sais rien, c'est un peu con. Donc c'est Denil qui a l'avantage en fait. Bah, ça devrait être le prochain round dans un monde idéal, mais je comprends pas en fait pourquoi ils ont fait ça comme ça. Bon, bref. C'est qu'un sort niveau. Hein. Ah, pas non plus. Sinon, t'enchaînes tous les. Oui, c'est ça que je me posais comme question. T'enchaînes 10 attaques avec l'avantage. C'est un truc Si je disais que c'était un sort. Est-ce que je peux le passer 2 en fait? Pour le rendre plus puissant. Non. Non. Attends, ça dépend. Des fois, c'est écrit sur le sort. Si tu vas dans la description du sort, Eric, ils te le mettent at higher level when you cast dispel. Ah, c'est marqué, putain. Tu fais 1d6 de dommage. Hey, the damage increase by 1d6 for each slot level. Donc, si above, tu crames en sort de niveau 2. Ouais, c'est pourri. Bah non. Bah, 1d6 de plus. Non, mais d'accord, mais ça veut dire quand même que techniquement, il est encore dans les godasses encore. Il a encore 3 Guiding Ball dans les pompes hein, s'il veut. Ah, il peut les utiliser en... Ah oui, les slots de niveau 2 pour le balancer. Oui, il peut faire ça quand même. Hein. La DCA quoi. Ah bah là, c'est même plus la DCA, là, c'est carrément. Bah, ça fait. Ouais, et 1d6 en plus. Ouais, ça fait 1d6 de dommage en plus. Ouais, ok. Et il faut que je le dise avant. Oui.
Bah tu crames, tu dis je le crame en tant que sort de niveau 2. D'accord. Ouais, je suis AFK. Ok. C'est au tour de qui? À moi. Allons, ah, Salgadoui. J'ai fini de donner XC à moi. C'est à toi, Denis. C'est à toi, Denis. Bon. Hop. Et j'essaye de régler son compte à... cet affreux monstre. Ouais, j'y vais en Slayer. Ok. Et il a un bonus. Donc, hit. Bah, quand même pas dégueulasse, quand même. Hein. T'as tapé quoi, sur un Orog? Oui. Ah, t'as tapé sur l'Orog? Oui, il fallait pas. Non, non, si, j'ai pas de soucis là-dessus. Si, c'était juste, je pense. Très bien. Je sais pas pourquoi je t'imaginais en train de taper sur le. Très, très bien. Oui, parce que Gambit. Parce que oui, parce que la prochaine attaque sur le géant, c'est celle-là qui a l'avantage en fait. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Donc c'était Donil s'il tapait sur Inman. Ah ouais, merde, j'avais avantage encore là. Oui, oui. Non, tu l'avais sur. En fait, sur le géant. Si tu tirais sur le géant, le premier qui tirait sur le géant après le Guiding Ball de Eric. Oui. Mm-hmm. Il avait l'avantage. Oui, mais là, mais toujours. Comme j'ai fait un Slayer, ça ne donne pas l'avantage. Non, ah bah, Slayer Prey, ça te... non, Slayer Prey, ça te donne des bonus au dommage. C'est... D'accord. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Hein. Jérôme, pas grave, c'est Tazul qui l'aura. Là, le bonus, il est toujours sur lui. Hein. Oui, oui. Non, non, mais oui, parce que personne. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui le touche. On est bien d'accord, c'est bien ce que je te dis. Donc, du coup, tu peux la jouer tactique en disant tu le tapes pas, laisse le mec qui fait le plus de dommages lui taper dessus. Laisse le mec qui fait des 1 à le faire, vas-y. C'est ça. Vas-y, Tazul, on croit en toi. On parle de toi là sur ce coup-là. Du coup, c'est au tour de qui? Denis, t'as Daratra. Fait ton attaque, tu l'as shooté. Ok. Daratra. Alors, elle peut quand même envoyer de la cagette aussi. Hein. Alors, est-ce que elle peut se déplacer jusqu'au géant et le taper? Elle peut se déplacer jusqu'au géant. Le taper, ça paraît loin. Ah bon? Bah, elle fait 6 cases pour se déplacer normalement. Vas-y, déplace-toi de 6 cases. Voilà. Elle était à la porte, ça fait 1, 2, 3. Non, mais 4, faut qu'elle contourne le merdier quand même. Bah, en diagonale, ça fait 1, 2, 3. Ouais, mais 3, 4, 5, 6. Bah, si, j'y arrive. Oui, hein. Bon, d'accord, allez, en truandant. Allez, vas-y, mais non, si je longe le bâtiment. Oui, hein. Oui, d'accord, ok. Oui, c'est ça. Ok, donc là. Tu es mauvais, ce type. Et puis, elle escalade le mur. Non, mais la totale, quoi. C'est carrément la mauvaise foi incarnée. Mais 1, 2, 3. Et tu laisses 3, faire. 4, oui, je laisse 5, faire, 5, parce que 6, c'est des pardon. Géants. Si je compte 6, il arrive sur Tazul. Tout ça pour c'est pas pareil, tu peux taper sur Tazul si tu veux, par contre. Je tape sur Tazul. Là-dessus, j'ai pas vraiment de problème. Mais de toute façon, en plus, ouais, non, là, en plus on rigole, mais il y a assez de place. On peut être. Non, mais attends, plusieurs. C'est au pied du géant, donc oui. Voilà, oui. Donc il est sur Tazul. Donc okay, qu'est-ce que je fais? Je le mets à côté de Tazul ou. Tu le mets, ouais. Ça va être. Ah putain, c'est le bordel. Top, voilà. Top. Vous croyez qu'il creuse sa tombe, le géant? Je pense que c'est bien pas mal. Bon, mais il va peut-être répliquer à un moment. Par contre. Par contre, je tape. Oui. Par contre, attends. Quoi? Je te rappelle que si c'est toi qui tapes, c'est toi qui crames le truc d'avantage sur le géant. Ça va, elle a attaque plus 5, putain. Bah oui, mais enfin, Tazul, il a attaque plus 7 et puis des dommages de porcachon aussi. Hein. Ah, mais il fait des. Hein. Bon, vous vous démerdez. Écoute, si Eric, si tu veux taper avec elle, tu cliques sur avantage, tu sais, le truc où il y a marqué ADV en bas. Et tu sais, c'est pas marqué sur sa gueule que le truc, attention, le bonus va disparaître quand t'auras tapé dessus. Comme ça, donc elle arrive, elle tape. Non, mais nous on sait, mais Daratra, elle sait pas. Bon, oui, mais c'est. Donc j'ai mis avantage. Donc t'as cliqué sur avantage, maintenant tu drag and drop le jet d'attaque sur Inman. T'as un tas de réussir. Ouais, et un 17. Et ben justement, l'avantage lui sert, tu vois. Fais des dommages. Maintenant, tu balances tes dommages, tes 2d6 plus 3 slashing. Quand même, oui. Voilà. Et maintenant, tu fais ta deuxième attaque parce que tu as multi-attaque. Et là, c'est un 20 naturel. Regardez. Ah, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu aussi, mais c'est raté. Ça a tourné sur le 20. Tazul. De toute façon, t'as bien fait de l'utiliser parce que moi j'aurais été capable de faire 2-1 de suite. Tazul pour un 1. Allez, je lui donne un gros coup de mâche. Voilà. Oh là là, c'est fait. Extraordinaire. Mais c'est carrément horrible. Un 3-1 et un 2 quand même, c'est pas mal. Là, c'est même plus de l'algorithme. Là, c'est carrément, faut que tu vois un exorciste.
Et je peux plus rien faire. Hein. Je peux pas même. T'as pas un copain qui est marabout? Il y a des adresses. J'ai vu des papiers avec les mecs qui réparent les motos à distance. Bon, tu vas peut-être pouvoir te venger avec Gallery. Allez. Il y a Monster Slayer en plus. Hein. Allez. Allez. Allez, on y croit. Nous, t'as un point de vie. Ah ouais, super, un 5. C'est carrément là. Et ça multiplie par 5 tes chances. C'est carrément là. Ah ouais, cool. Attention, alors attention. Ouais, ça va. Tu lui as fait 16 points de dommage. Ouais, t'as un truc qui s'appelle Giant Slayer. Donc tu drag and drop les dommages aussi sur Hillman, s'il te plaît. Ah oui. Il a pas Giant Slayer, lui. Hein. Galerine, il l'a. Bah non. Si, il l'a. Ah oui, là, Deal, extra 2d6 dommage en hit. Tu drag and drop tes 2d6 le plus sur Hillman. Ah, mais je peux pas. Attends, tu veux que je le fasse? Parce que là, c'est un effet en fait. Je le fais. Ah merde. Ah putain, ça merde. C'était un effet en fait. C'était un effet. Et bah, tu prends. 2d6. Non, mais attends, vas-y, tu prends 2d6, fais les trucs et puis. Voilà, tu l'as fait 6 points de dommage de plus. Quand même pas achat. 6 points de dommage. C'est bon à prendre. J'aurais dû mettre l'effet en fait. Là, j'ai mis l'effet sur moi, mais j'avais pas vu ça. Ok. Donc là, Nart. Il est couvert de sang. Hein. Ah, mais c'est carrément genre. Le Hillman a l'air quand même de faire des. Il pousse des hurlements, des machins. Enfin, vous êtes en train de lui. Machin. Et du coup, Nart, dans toute sa truc, je pense que ça serait de bon ton que tu lui tires dessus avec ton arbalète. Coriandre. Ok.